Ah bon, normalement ça devrait être bon, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas du tout ça. Donc je vais reprendre. Dès le début ça va, on n'avait pas été trop loin, mais c'est bon, c'est dommage. C'est dommage que ça ait foiré, donc je vais regarder un peu sur Twitch directement si c'est bon. Enfin, n'hésitez pas à me dire si c'est bon dans les commentaires pour que je sache est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a l'envoi. Alors ça charge, ça charge, ça charge. Ouais, ça met un petit peu de temps à charger là, mon petit père. Bouge un petit peu le. Ok, ça a l'air d'être bon. On m'a mis un commentaire. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon. Bon, je sais pas pourquoi. Attends, je vais recharger. Normalement, après, on va pouvoir se lancer. Espérant que ça ne emmerde pas, parce que bon, enfin, voilà. Bon, j'expérimente parce que j'ai jamais vraiment utilisé cette option de live sur Twitch avec la PS4, donc c'est la première fois. C'est juste pour voir si ça peut marcher, si on peut se faire des trucs assez intéressants. Ok, l'envoi est nickel, la qualité est plutôt bonne, j'en suis content. On va pouvoir partir, on va pouvoir partir et se lancer. Donc voilà, donc salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour une vidéo sur The Last of Us Remastered. Donc cette fois, je fais la présentation de Eric parce que là, ça a l'air de bien marcher. Tout à l'heure, ça a un petit peu merdé. Et on va pas trop tergiverser, je vais surtout avancer un petit peu dans le jeu, c'est une partie comme ça, le temps qui est cinématique et tout, comme ça vous laisse le temps d'arriver. De toute façon, après il y aura une rediffusion sur YouTube, il n'y a pas de souci. Comme ça, je vous laisse venir pendant qu'il y a toutes les cinématiques et tout, comme ça, voilà. On sera pareil, donc voilà, pouvoir commencer. Pokémon, je disais, j'ai du mal à lire ton pseudo, donc ça va très bien. Salut à toi. On va pouvoir commencer. Par contre, j'ai plus le truc. Voilà, je vais recommencer une nouvelle partie. C'est pas grave. Ok, clou. Ah voilà, là c'est bien, ça marche bien. Nous sommes trois, donc c'est cool. On va pouvoir passer une petite soirée. Donc ouais, là, ça va être rediffusé sur YouTube, donc il n'y a pas de souci. J'ai réussi à faire en sorte que ça soit rediffusé à la fois sur Twitch et à la fois sur YouTube. Enfin, sur YouTube, c'est à moi de le faire, mais ça je pourrais le rediffuser sur YouTube à partir de Twitch. Donc ça va être re-upload automatiquement, donc ça c'est nickel. Ça c'est absolument nickel. Ah, ça bug. Ah, c'est con ça. Tommy, écoute-moi, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Ouais, on en reparle demain matin. Ok, bonne nuit. Hey. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais de beau? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est gentil, mais je crois qu'elle...
Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Donc voilà, là on est in-game. Donc apparemment on m'a dit que ça buguait, mais une autre personne m'a dit que ça bug pas. Donc que ça bug, c'est totalement possible. De toute façon, si ça bug trop... D'accord, prépare-toi des pattes, hein, parce que bon, on aura pour un petit moment. Donc je vais pas faire trop long, mais bon, on va en profiter pour faire un petit peu plus d'une heure. Donc là on est enfin in-game, et c'est vrai que ça arrache, surtout que là c'est en 480p sur la PS4. Et là ce que j'adore, c'est surtout c'est tout ce qui est affiche et tout dans le jeu, parce que je trouve que c'est sont quand même bien faites, parce qu'il y a des jeux où c'est quand même des jeux HD où il y a des affiches sur le truc, c'est très flou, c'est très dégueulasse, alors que là je trouve que ça a été quand même soigné dans ce jeu, toute cette apparence. En général, j'ai rarement vu des textures assez dégueulasses dans le jeu, donc je trouve s'en sortent vraiment très bien. Oh mince, j'ai oublié de lui donner ça. Cher papa, voyons, tu n'es jamais là, tu détestes la musique que j'écoute, tu méprises carrément les films que je regarde, et pourtant, bizarrement, tu arrives chaque année à être le meilleur des pères. Comment tu fais? Bon anniversaire, papounet. Bisous, Sarah. Voilà, c'est là, il y a eu plus de trucs à fouiller. Tranquille. Il marche pas. Là, il y a vraiment une vraie ambiance. Ça. C'est. Vous voyez, là. On sait pas ce qui nous attend, on sait pas ce qu'il y a. On peut regarder un petit peu, mais on peut pas trop, on voit pas grand chose. Ça c'est quand même assez intéressant, on peut fouiller un petit peu partout. Apparemment, il y a des trucs qui se passent assez étranges. C'est vrai que j'aime bien l'entrée en matière de ce jeu qui, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Là. On sait pas du tout ce qui se passe. On est au courant de rien, nous joueurs. Et... Tu es là ? Qu'est-ce que t'es passé ? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. C'était quoi? Oh non. L'ambiance est vraiment énorme. Pouf, rien à dire. Ils ont vraiment réussi, Naughty Dog, à créer une super ambiance. Là, je sais plus si j'étais par là. De toute façon, moi, il faut que je fouille un maximum. C'est plus fort que moi, donc je crois qu'on vient de là. On a été là, ok. Avec des toilettes. Donc là, il faut descendre. Oui, si vous voulez partager, voilà, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui se passe? Si ça intéresse des gens, c'est sûr que ça c'est pas la...
C'est pas les jeux que je fais habituellement, mais c'est, je trouve ça intéressant de changer un petit peu. Putain, on entend les chiens là. C'est son téléphone. Il t'appelle en absence. Et où est-ce que t'es? Appelle-moi. J'arrive bientôt. On entend les chiens, ils arrêtent pas de gueuler là. Moi j'adore l'ambiance de jeu. Là on sait pas, c'est vraiment énorme. Vous allez voir là, c'est tout calme encore là, mais ça va rapidement exploser. Te voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Tiens, Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là. Jimmy, je te préviens. Sors! Allez, allez. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris? Oui. Tommy, allez. Allez. Où t'étais passé? T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tire-moi le discours. Avec la moitié de la ville a perdu le pédale. Laisse-moi te faire, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Portable. Radio. Ah, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller? Il disait... On installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de traversée. La 60-71, c'est la même. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Dieu, comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est, de la côte ouest. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien. Quelqu'un d'autre en ce moment. Mieux. On peut
peux pas rester ici. Eh merde, je peux pas leur foncer dessus. Alors fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là. Accroche-toi. Allez. Oui, c'est vraiment un scénario catastrophe. Hein. C'est la catastrophe mondiale, quoi. C'est tout ce qu'on n'a pas envie de vivre, quoi. Mais c'est vraiment une ambiance de ouf. Hein. Ah, je crois que c'est par là-bas. Voilà. Je savais ça. C'est vrai qu'au début je cherchais comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Casse-toi Enfaros. Bon pour l'instant on joue pas vraiment, c'est surtout l'instauration du... De l'ambiance, du scénar quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Bah, y'a plus vraiment d'amitié. Hein. Y'a juste survivre. Là, on a un infecté au cul, donc faut avancer. Hein. Sinon, il nous bouffe. Faut même pas se retourner, on avance. On se retourne pas. Ouais, voilà. Besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. On reviendra te chercher. Ok. Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Je vous en prie. Oh non. Sarah. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie. Reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie.
fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez, allez. Non. 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 Pitié. Oh, Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non. J'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam, est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois, facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On va bien se manier. Putain, égale violence. Bah... Ça fait du bien des fois d'entendre des VF qui disent des trucs comme ça, parce que bon, on est, souvent c'est coincé, c'est... Oh, le méchant, oh, ordure. Alors que là, fils de pute, voilà, c'est... Ça change, hein. On voit vraiment l'état 20 ans plus tard, on voit que bon, c'est c'est pas trop en bon état, hein. Attention, tout citoyen doit être en permanence une identification valide et obéir à tout le personnel de la ville. Regarde ça, le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provisions. Thank you.
aller. Le scanner, c'est trop pitié. Les vieux temps. Je me demande comment la société a survécu aux zombies pendant 20 ans. Bah ils ont réussi à survivre, hein. L'humanité est assez tenace, on va dire. Mais bon, vous pouvez voir que ça s'est pas fait sans mal. Parce que bon, c'est quand même... c'est pas comme s'ils vivaient dans le luxe et pas en forcément très bon état, comme vous pouvez le constater. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Nous avons eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Surtout restez cool. C'est bon. Ils lui ont mis un truc dans le cou de ce que j'ai vu, ça l'a tué direct. Je sais pas exactement ce que c'était, mais ça a été violent. Même si elle disait qu'elle était pas infectée, mais je pense qu'elle mentait parce que bon, même si t'es infecté, tu perds pas tout de suite la boule. Donc elle avait pas envie de crever. Et je la comprends. J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer. Ouais, apparemment on est que deux sur live, mais ça peut toujours changer. Le poste de contrôle 5 est fermé jusqu'à nouvel ordre. N'hésitez pas à partager si vous voulez qu'on soit plus. Ça aurait été trop beau. Rafistole-toi, ok. Ah donc voilà, kit médical. Soignez vos blessures avec un kit médical. L'utilisation des kits médicaux prend du temps. Assurez-vous d'être en lieu sûr. Équipez-vous du kit médical avec la croix directionnelle vers le haut et maintenez R2 pour l'utiliser. Donc voilà, c'est assez classique, hein. Alors... Ah, malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer. C'est ça. Hey Tess, t'as vu ce bordel ? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est ? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez ? On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène ? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert ? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord ? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Donc voilà, là on n'a pas pu passer par l'angle voulu parce que c'est les Lucioles qui ont attaqué, donc là ils ont tout fermé, donc on est un petit peu, voilà, obligé de faire le tour. C'est nous. Salut les gars, comment ça va ? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici ? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. A plus Victini. Ah si tu t'en vas, c'est, enfin, si j'ai bien compris. Faites attention à vous là-bas. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. On voit absolument rien mais... On a la lumière là, heureusement, sinon on dirait pas grand chose. Attends, il est où déjà ? Ah oui, par là. Ah ok. J'avais pas compris, j'avais pas... Ah, bon là on est trois. Nos sacs sont là depuis la dernière fois.
Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas, alors. Et voilà, on est équipé. Et on peut recharger. On a notre première arme. On va pouvoir... Fais-moi grimper. On va pouvoir commencer à niquer les trucs. Bon, ça parle beaucoup, surtout au début, mais il y aura pas mal d'action aussi. Allez. Enfin, surtout d'infiltration, vous allez voir. Oula, parce qu'on déménage, tu sais. Ah bah là... C'est un petit peu le... Pour déménager, c'est pas trop l'époque, hein. Là, c'est à partir de là qu'on se rend compte quoi, le jeu il a un cachet pas possible. Regardez l'ambiance, c'est encore la live est pas en HD mais moi chez moi ça décoiffe. C'est vraiment réussi comme ambiance. Purée. Je suis aussi impressionné par le rendu. Elle est où l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Ouais, donc là faut trouver l'échelle, parce qu'il faut toujours un peu. Il y a toujours des phases comme ça, faut trouver quelque chose pour pouvoir avancer. En général des échelles ou parfois des planches. Ouais, allons-y, allez, faisons-nous une coloc à 3. Ah, par là, j'avais été par là. Ah oui. Oh, ah oui, j'avais pas vu été. C'est vrai que moi, une vise appuyée sur L3 parfois. Super, apporte-la ici. Pour ça me donne un peu l'endroit où on doit aller. Là, je voulais pas que tu la poses. Normalement c'est là. Voilà. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Je fouille aussi parce que comme j'aime bien fouiller, hein, à force de jouer à des RPG, il y a aussi dans le jeu pas mal de trucs à trouver. Donc autant profiter. Donc, vous voyez que là, voilà, tout est bien endommagé. Hein, on voit vraiment que ça fait un petit moment qu'il y a eu l'épidémie. Hein. Bon, il n'y a rien du tout. Hein. Non, je connais pas du tout Falling Skies, Victini. Ah, là, il y a des trucs. Ah, c'est un pendentif de Luciole. Voilà, en gros, ouais, on trouve des pendentifs, ça correspond à des membres des Lucioles. On voit un peu leur nom et tout. Il faut les collecter pour il y a un trophée pour ça et après je sais pas trop à quoi ça sert en dehors de ça. Faut descendre par là. En même temps on n'a pas 15 millions de chemin, hein. Je crois que Robert a toujours nos armes. J'espère, pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends, des sports. Ouais, donc les sports, c'est par là que vient l'infection, en fait. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'il y a l'infection, que les gens se transforment en infectés. Il n'y a jamais le terme zombie qui est employé, c'est pas, on va dire... À proprement dit des zombies, enfin oui c'est des zombies mais pas vraiment, on va dire, enfin oui c'est des zombies si vous voulez, mais ça qui n'emploie jamais le terme zombie. Donc c'est la première vidéo de ta part que je vois, tu peux parler un peu de ta chaîne s'il te plaît? Oui pas de problème, donc mon pseudo, enfin c'est Chrono, enfin ma chaîne s'appelle Chrono Channel mais moi je garde que Chrono parce que bon je trouve ça
mieux, plus court que Chrono Channel. C'est surtout pour un nom de chaîne, Chrono Channel. Et en général, je réalise des let's play de RPG japonais, même si des fois il y a des jeux un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Enfin, de l'ordinaire, enfin, qui sortent un peu de l'ordinaire pour les vidéos que je fais. Donc là, via ça, c'est un peu l'exemple. De toute façon, ça sera retransmis sur ma chaîne. Et puis après, oui, je fais surtout oui, des let's play de RPG japonais. Mais des fois, il y a. Des fois, ça peut un peu diverger avec du karaoké, même si c'est plutôt rare. Ou même, je sais plus du tout. Non, je crois que c'est à peu près tout ce que je fais en général. Après, des fois, il y a des projets qui sortent un peu, qui changent un peu. Ouais, je me suis un petit peu perdu, mais voilà, c'est un peu où la faut. Mais d'où est-ce qu'elles sortent ? Il n'y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Ouais, j'ai vu un message. Enfin voilà, c'est à peu près tout. Et ça fait ouais, quasiment un peu plus de 2 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne. Et c'est pour ça qu'à l'âge, comme j'ai grâce au live de la PS4, j'ai essayé de recommencer des lives et d'en faire sur des jeux de PS4. Et il y aura la prochaine fois, ce sera du Assassin's Creed Unity quand il sortira. Parce que j'attends énormément. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Voilà, s'il dit ça, si elle dit ça, c'est parce qu'on a une option qui permet d'écouter en fait. Pour. Non, je peux pas utiliser, mais qui me permettra de savoir s'il y a des gens ou des infectés dans les parages. Elle est où Beyoncé? Elle est pas là en tout cas. Là on a le choix, voilà, on peut nous monter les commandes pour tirer, donc on va lui tirer dans la tête. Pour pas qu'il se transforme. Ah, je peux pas encore tendre l'oreille, donc je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas des trucs. Des trucs planqués, parce que j'adore ça, les trucs planqués. J'adore fouiller. Regardez-moi ça, les trucs dégueulasses. Ouais, il n'y a pas grand chose pour l'instant, mais il y aura du cola. Est-ce qu'il y a du vrai Coca-Cola? Parce que. Attends, je vais boire un coup, tiens. Ah oui, je bois aussi souvent du Coca-Cola dans mes vidéos, donc faut s'y habituer. Je dis souvent, ouais, je bois du Coca parce que j'en bois souvent. Voilà. C'est aussi le petit détail de ma chaîne. En tout cas, je pense que vous n'avez pas envie d'habiter ici, hein. Surtout en ce moment. Hein. Je regarde un peu parce que au cas où j'ai raté des trucs. Ah, en voilà des petits infectés. Je vais lui prendre par derrière pour l'étrangler. Oui, c'est un peu ça. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que là on voit un peu. Bah, comme on doit se débrouiller, comme on est un peu dans une époque où vraiment tout va mal. C'est un petit peu la merde. Il y a des infectés, donc c'est vrai que on devient un petit peu un connard parce que on veut survivre avant tout. Donc quand on veut survivre, on met ses intérêts avant celui des autres. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont vraiment vraiment pas sympas. Donc là, il y en a deux qui sont en train de bouffer. Donc, chrono, je mis en mute le live pour en regardant un autre. Je re dans 5 minutes. Ok. Donc là. Je sais pas si je peux arriver et niquer. On va les défoncer.
On peut attaquer aussi au corps à corps. Et c'est même ce que je recommande parce que disons que les munitions sont limitées. J'espère bien. Et donc moi j'hésite pas à attaquer au corps à corps. Même si là mon tir est un petit peu foiré, mais je préfère. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé le corps à corps et la furtivité parce que c'est. Je trouve que ça marche, on peut pas forcément faire pam pam boum boum, mais ça c'est vraiment intéressant. On n'est pas là, ah ouais, tiens, je vais un peu shooter sur tout le monde parce qu'on n'a pas forcément assez de munitions. Bon, en général, quand il y a des infectés, on nous prévient, comme là. Même si des fois, il faut faire attention. Bah, moi, en général, je regarde souvent. Hein. Je me mets toujours comme ça pour avancer au cas où. Ok, souci. Donc, voilà, des munitions, c'est pas mal, ça. Ça en a bien besoin. Et bah, c'est tout, en fait. Ah, il y a un truc là, en général, les trucs, ils brillent. Ça, c'est pour soigner directement. C'est pas des trousses d'équipe médicale, mais c'est pour soigner plus directement en bouffant quelque chose. Ah oui, ça passe super vite. C'est surtout aussi en même temps, il y a eu beaucoup de cinématiques. Donc c'est vrai que par rapport à ce que j'ai parlé, c'est vrai que c'est assez court. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blabla, et que ce soit en cinématique ou même in-game. Donc c'est vrai que j'ai très peu parlé. Mais c'est aussi ça. C'est surtout qu'il y a une ambiance et un scénario derrière. C'est vraiment super, super intéressant. Donc là, ouais, on trouve souvent des notes ou des trucs comme ça qui nous expliquent un peu, ça renforce un peu le background du jeu, savoir comment les gens ont vécu l'infection et tout, dans quelle situation ils sont. Bon, en général, ils sont morts, hein. Faut pas se le cacher, mais voir un peu ce qui s'est passé. Salut Frangin, on est si proche, je suis là au pied du mur, sachant que je n'entrerai jamais dans la zone. Pendant qu'on attendait le passeur, on a entendu une escouade de soldats approcher. Dans la panique, on est entré dans un bâtiment pour se cacher. Ce n'est qu'après qu'on a remarqué les spores, on est tous infectés. Il nous reste quelques heures, un jour tout au plus. J'espère que le passeur viendra quand même, que je puisse au moins lui remettre cette note. J'aurais dû t'écouter et venir avec toi dans la zone tant que je le pouvais. Maintenant il est trop tard, prends soin de toi, Marc. Voilà. Les infectés essaient de s'infiltrer dans la zone. Même si tout le monde se plaint, il y en a tout un tas qui rêveraient de vivre à l'intérieur de la zone. Bah ça permet d'en apprendre plus. Les gens, ils ont pas vu qu'il y avait ils sont tous infectés. Et bah voilà, ce qui devait arriver arrive. Voilà, comme ça maintenant on est un peu tranquille. Enfin, un peu d'air frais. S'il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. Oui, bah. Là, il est douce parce que je préfère pas trop. C'est vrai que je sais pas trop, voilà, parce qu'en général je suis un petit peu plus dans l'exagération, parce que je dis souvent les dialogues en fait dans les jeux. Bon là non, ça sert à rien, c'est déjà doublé, ça sert pas à grand chose de les lire, mais en général oui, j'aime bien un peu l'exagération dans certains personnages qui sont eux-mêmes exagérés, donc ce qui fait que ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, mais c'est voilà, c'est dans l'ordre naturel des choses, on peut pas tout aimer, mais moi tant que ça me plaît, tant que j'aime ce que je fais, ben voilà, je le fais. Là j'ai envie de faire des lives sur PS4, surtout sur The Last of Us, parce que j'ai pas beaucoup de jeux de PS4 que j'ai eu assez récemment, et comme c'est un jeu que j'ai pas du tout fait sur ma chaîne, c'est pour ça que j'ai voulu le faire, parce que sinon il y avait du FF14, mais comme j'ai déjà fait une vidéo dessus d'une heure, faire un live pour l'instant c'est pas forcément ce qui est de plus judicieux. Non, je regarde vraiment s'il y a vraiment des trucs, parce que j'ai raté quelques trucs. Moi, en général, les trucs les plus importants sont derrière une porte qui est bloquée, qu'il faut ouvrir. Et là, on trouve vraiment des trucs intéressants. Mais en général, il y a vraiment plein de trucs qui traînent, hein, donc faut quand même bien fouiller.
Ça peut être des matériaux qui peuvent servir à faire diverses choses. Pour avoir du matos, quoi. Donc la planche, ouais, c'est vrai qu'elle est en bas. Ah bon, bonsoir Black Dazer. Salut à toi. Ouais, il n'y a pas grand chose ici, à part que c'est bien pété et qu'il y a juste la planche à récupérer. C'est ce qu'on va faire. Vas-y, passe-la moi. Voilà. Cette fois, c'est bien placé les premiers coups. C'est à l'heure. Je devrais pouvoir m'en sortir. Tout à l'heure, je l'avais posé sur le sol. Donc là, je sais plus par où faut remonter. Je sais plus du tout. Et voilà. Voilà, elle l'a posé. Ramène tes fesses, on y va. Quelle autorité ? Je sais plus du tout pas où passer. Attends, faut que je retrouve. Ah oui, je crois que. Si je me perds déjà. Ah oui, attends. Oui, Victini, il est parti il y a pas très longtemps. Il a dit qu'il revenait dans 5 minutes. Ah voilà. Si je vois pas le trou dans le mur, ça ne va pas le faire, hein. Voilà, comme ça maintenant en fait on peut passer. Il y a beaucoup d'énigmes comme ça, enfin d'énigmes. D'énigmes, c'est peu de le dire, mais au moins des petits trucs, faut trouver un élément pour avancer. Donc oui, c'est quasiment le début, ça fait 40 minutes que j'ai commencé. Donc enfin c'est le début du jeu en tout cas, mais pas le début du live. Ça fait voilà, comme ça a été dit, c'est 46 la 47. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. Mais au niveau du jeu, c'est rien. Le jeu. Le jeu il dure quand même pas mal de temps, plus je dirais une vingtaine, 20-25 heures, enfin tout dépend de comment vous avancez. Ça peut être beaucoup plus en fait. Mais bon, il y a rarement de quoi prendre son temps, il y a pas mal de choses à faire. Après il y a du multi aussi, mais ça j'ai pas trop fait. Mais bon, à la limite, après je pourrais toujours faire du multi, mais c'est vrai que c'est pas trop mon idée, surtout vous montrer un peu l'histoire du jeu. Mon objectif aujourd'hui. Ouais, après si vous avez aimé, je pourrais toujours refaire une vidéo, voir. Même si ça sera pas forcément à l'ordre du jour, mais c'est toujours possible. Hein. Je regarde bien sûr comme d'hab s'il n'y a pas des trucs à piquer. Parce que comme j'adore prendre des trucs, alors je m'en prive pas. Ah ouais. Ah t'inquiète, je vais faire ça. Hein. Je vais pas ramasser que les munitions, je vais tout ramasser. Enfin s'il y avait vraiment des trucs intéressants, mais pour l'instant il n'y a que ces munitions qui s'avèrent fort intéressantes. Ça va pas cracher sur les munitions. Ah c'est bon, je suis à fond. Il lui met un coup de coca. Je sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. Non, c'est pas du tout un jeu de plateforme. C'est un action survival horror. Hein. Même si le jeu ne fait pas peur. Mais il y a une véritable ambiance survival, hein. Faut vraiment survivre quoi. Enfin, c'est surtout, je retiendrai plutôt le survivre que le horror, parce que c'est surtout, c'est ce qu'on voit bien là, on voit vraiment la survie, les gens, voilà, ils ont un autre mode de vie, tout a changé, parce que c'est un peu l'apocalypse quoi, on va dire, c'est une infection qui a tout ravagé, donc les gens survivent comme ils peuvent plutôt. Si tu touches, tu payes. Ça faisait un baril. Tu nous rends plus visite. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas par là? C'est qui ça? Occupe-toi de tes affaires. Où est-ce que tu vas, toi? Bon, je
sais pas ce qu'elle fait. Mais je sais que c'est par là. L'ambiance c'est vraiment énorme, les gens ils se battent comme ça, voilà, c'est un peu la loi du plus fort, hein. Et avec des combats, faut bien animer un petit peu, hein. Parce que bon, l'animation, voilà, il y a beaucoup de trucs qui n'existent plus, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'affiches de films où ça dit à suivre et tout, mais il n'y aura jamais de suite. Le service civil général. La zone de quarantaine de Boston. Ah, on s'en fout. Salutations. En tant que civil physiquement capable, veuillez trouver 6 joints alors de participer à diverses tâches d'entretien de la zone de quarantaine. Présentez-vous à Charles Bridge, bureau principal, le 15 décembre à 6h30 pour être conduit à un poste de gestion des forces armées. En ne se présentant pas au lieu et à l'heure de rendez-vous, vous stipulez dans le présent avis, le contrevenant s'expose à des pénalités alimentaires et à l'éventuelle suppression de son autorisation de résidence dans la zone. Présentez-vous muni de ce document. Note importante, lire attentivement. Si vous avez participé à des tâches au cours des 6 derniers mois, apportez-en la preuve afin de bénéficier d'une dispense temporaire si vous pensez souffrir d'un handicap physique ou psychologique vous rendant inapte au service. Apportez un certificat médical le justifiant. Oui, Black Dizer, oui, j'ai déjà fait une fois ce jeu il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que d'ailleurs je vais vous en proposer une vidéo parce que c'est le jeu que j'ai eu avec la PlayStation 4. Vu que c'est, voilà, il était dans le pack de la PlayStation 4 et donc je l'ai fait ainsi que le DLC Left Behind. Et donc là, je vous le repropose un peu pour cette aventure, quoi, au moins le début. Mais si vous voulez la suite, n'hésitez pas à demander, enfin on verra ça après avoir fini cette vidéo. Mais oui, j'ai déjà fait le jeu, j'ai vraiment apprécié. Alors que c'est pas forcément mon style de jeu, c'est moi, si je suis plus RPG japonais, faut se dire, donc ça a rien à voir d'un RPG Jap, mais j'ai bien aimé. Je cherche Robert. Il y a une demi-heure, il est retourné au quai. Il y a encore. Un certificat médical après apocalypse. Bah, de toute façon, faut vérifier que les gens ne sont pas infectés parce que bon, ça prend pas effet tout de suite. Puis bon, après, c'est aussi, ouais, il y a encore des règles de société, même si ça a été bien chamboulé. C'est sûr que la vie n'a pas forcément de cours normal. Enfin, si, il a un cours, mais donc c'est pas forcément aussi évident qu'avant pour vivre. Il y a vraiment des règles assez très strictes, hein, pour éviter que des contaminés viennent squatter dans les zones de quarantaine. Faut qu'on passe. On vous fera pas de mal. Juste Robert. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez immédiatement. Donc là, s'il y a eu des problèmes de synchronisation, c'est pas du tout vous, c'est le jeu directement, c'est pas moi, c'est le jeu, c'est comme ça. Malheureusement, ils sont un peu foirés, ils ont pas corrigé ça sur la version du Master of. Mais bon, c'est assez rare finalement, hein. C'est assez rare ce type de problème. Donc là, on peut les voir, c'est un peu des, voilà, faut leur tirer dessus. Il y a pas que des zombies à affronter, c'est pas juste un jeu de zombies. Il y a aussi des hommes à niquer. Voilà, ça c'est bien fait. Alors, est-ce qu'il en reste un? On peut regarder. Et là, on voyait qu'ils sont toujours vivants, en fait. On peut voir où ils sont, en fait. Ça, c'est bien, ça. Allez, sortez de là.
Merde, attends, j'aurais dû attendre un petit peu. Attends. Faut bien. Ok, au revoir, Black Dazer. Et à la prochaine. Voilà, voilà. Sortez de là, les enfants. Voilà. Est-ce que c'est bon? Bien joué, le Texan. Voilà. En plus, c'est vrai, aucun dégât. C'est la première fois que j'avais galéré à mort. Mais en même temps, là, j'ai. Comment il a fait pour tous les rameuter? J'ai un peu plus d'expérience sur le jeu. Attends, je regarde aussi s'ils ont pas des munitions, on sait jamais. Même si c'est assez rare, mais c'est toujours possible. Ok, bon, il y a souvent des trucs qu'il faut aider à monter. Hein. Après, il y a rêver du jeu et rêver d'être dans le jeu, et je pense que là personne n'a envie d'être là. C'est vraiment, voilà, c'est, on peut se faire buter à chaque instant, soit par des zombies ou soit des mecs, voilà, de ce que vous faites. Mais voilà, si vous n'avez pas de chance, c'est qu'il y a un zombie, bah, vous faites croquer et après, ben, bah, infection. Je vais éviter d'aller jusqu'à 23h, on va arrêter peut-être dans peut-être une trentaine de minutes. Ouais, on va dire peut-être 1h20, 1h30 hein, encore, hein, de jusqu'à 1h20, 1h30 de temps en tout de vidéo, je pense. Hein. Encore des gardes verts. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. On aurait pas dû prendre ce couteau. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rentre ici. Ah, et comme ils disent, la furtivité vous permet d'économiser des minéraux adversaires sans utiliser de balles. Et c'est ce que je recommande à faire dans le jeu parce que voilà. C'est ce qui marche très bien. Pas seulement contre les humains, mais contre les infectés. Ça marche très bien, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Même si, bon, ça peut pas marcher contre tous les infectés. Hein. Mais... Des fois, il y a des façons un peu différentes pour certains infectés, mais bon. Ça, vous verrez bien si vous faites le jeu ou si je fais plein de vidéos dessus. Là, j'attends un petit peu qu'ils se séparent. Même si je crois qu'ils vont rester là, donc on va essayer de le choper. Voilà. On peut aussi essayer de boucler les mains, mais j'ai pas envie. Tess va s'en occuper. Mais j'ai pas trop utilisé en fait. Comme ça, elle la distrait. Voilà, petite enfoiros. Moi, j'ai pas été le plus discret possible, mais c'est pas très rare pour l'instant. Ils sont pas extrêmement nombreux, donc voilà la petite clé. C'est cool de pouvoir avoir une société bancale. Oh là là, tu fais un règne. Oui, c'est cool, mais en même temps, si t'es pas fort, c'est pas cool pour celui qui n'arrive pas à survivre. Hein. C'est un changement total de. Voilà, de société, parce que tout a changé à cause de l'infection qui s'est répandue partout. Et c'est ce qu'on voit tout au long du jeu, c'est vraiment un voyage, et en même temps on voit la vie qui a un peu perdu son cours normal, parce qu'on voit des villes qui sont complètement détruites, quoi, enfin détruites, qui sont en ruine.
Là, comme vous pouvez le voir, là, c'est pas en très bon état. Et encore là, ça va. Et le truc, c'est assez... c'est assez mal en point, quoi. Mais bon. Avec l'infection, vous allez voir que le problème, c'est pas que les infectés, hein. Donc là, on peut utiliser la bouteille pour assommer les gardes ou les attirer. Mais ça peut bien servir à sauver, comme ça on peut leur foncer dessus et les tuer directement, quoi. Comme s'ils étaient. On les prenait par surprise qu'ils sont, ils sont sonnés. Alors, on va essayer de l'attirer. Lui, il est tout seul. Attends, on va faire attention. On va y aller. On va y aller. Et voilà. Crève, mon gars. Voilà, ça c'est fait. Donc voyons où sont les autres. Voilà, ça peut servir de diverses manières. Oh, disons qu'il n'y a pas... disons qu'il y a plusieurs façons. On n'est pas forcément obligé de tuer les ennemis. Et ça, c'est intéressant. Même que ce soit les humains ou les infectés, on n'est pas forcément obligé de les tuer. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est exactement ça, Clou. C'est... Voilà, il y a des gens, ils survivent et ils sont devenus... Voilà, ça ressent un peu tout le mauvais côté du genre humain, quoi, on va dire. Qui vont tout faire pour survivre, hein. Et après, on ne sait jamais comment on réagirait si ça nous arrivait. Ça, voilà, c'est l'instinct. Donc, on essaie de prendre le dessus. Et c'est la loi du plus fort, quoi. Bon. Je vois personne, mais on va faire attention. Ah, je crois qu'il y en a en haut. Ah, il y en a un là. Vous pouvez voir, là, on le voit à peine parce qu'il n'est pas proche de nous. Ah, donc là, je regarde s'il y a pas un petit truc que j'aurais pu louper, mais non, ça a l'air d'être bon. On va avancer quand même. Voilà, on peut pas cumuler plusieurs bouteilles, c'est une à la fois, ça sert. Bon, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le truc, enfin, ça m'a fait comme tout à l'heure, sauf que là, ça s'est fait un petit peu plus tardivement. C'est que il m'a dit qu'il y a eu une erreur, donc il a arrêté le stream, donc on reprend. Long, mais c'est des choses vraiment qui arrivent, et je pense, mais c'est dommage que ça arrive. J'aurais bien aimé avoir tout en un bloc, ça me fait, je pense, deux lives différents. Bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé, surtout pour le mettre sur YouTube, j'aurais bien aimé que ça en un coup. Donc là, je pense que je vais devoir télécharger la vidéo pour la faire un montage. Ah, je vais faire descendre, hein. On va mettre un petit peu loin. C'était quoi, ça ? Ouais, c'était quoi, bordel ? Voilà, là ils arrivent. Enfin, il y en a qu'un qui arrive, mais on va essayer de la voir. Je vais essayer. Ouais, il est où, lui ? Je vais essayer de les réassembler. Oh là, ils sont plusieurs. Mais je vais pas pouvoir. Je dois les re-télécharger, je pense. Voilà, ça se fait du bien. Oula, il y en a un là. Coucou toi. Oula, si je me loupe. Bon, on passe un petit peu en force.
Voilà. Ah, des munitions, merci. Bon, pour l'instant, je peux pas me s'animer, j'ai pas perdu trop de vie. Où s'en est les autres? Où est-ce qu'ils sont? Ouais, c'est dommage, je sais pas pourquoi ça a merdé. Faudra que j'essaie de voir le problème s'il n'y a pas moyen de le résoudre pour les prochains lives sur PS4. Parce que bon, tous les lives ne sont pas sur PS4. Ils ne seront pas forcément sur Twitch. Parce que je peux aussi les faire sur YouTube, mais enfin, je verrai ça pour les futurs lives. Coucou, j'arrive. Voilà. Voilà, ah, c'est bien, petite filtration. Ouais, je fais mi-infiltration. Mi-action. Ouais, je regarde un petit peu au cas où. Hein. Je vais toujours dans la direction opposée de là où on doit aller parce que. Voilà, un surin. Ça sert pas mal. Donc le surin est une arme furtive qui vous permet de tuer plus rapidement et discrètement que l'étranglement. Approchez discrètement d'un ennemi et attrapez-le avec le surin, puis appuyez à nouveau sur triangle pour utiliser le surin. Donc l'utilisation du surin est limitée. Lorsque sa durée de vie est écoulée, il se brise, augmentez sa durée de vie en trouvant des manuels d'entraînement. Alors comment je fais pour le layout et le layout et les commentaires de la vidéo, c'est tout simple, je ne fais rien. C'est la PS4 qui fait ça tout seul. Donc là, c'est voilà, c'est ce qui fait que là, en fait, je ne suis même pas sur mon ordi, en fait. Je vois tout, je vois vos commentaires sur le... voilà, tout ce que vous voyez, c'est ce que je vois, en fait. C'est ce que... Bon, la qualité n'est pas forcément la même que ce que vous voyez. Soit je suis pas en HD dans la vidéo, mais de ce que je vois, moi, c'est de la HD. Et donc voilà, c'est ce qui est pratique, c'est que ça se fait tout seul. Si je faisais un live sur mon PC, en général, ce que je fais, c'est que je réduis la fenêtre, bon, comme là elle est réduite, mais on voit pas les commentaires dans la vidéo. C'est moi qui les vois, j'y réponds, mais ça se voit pas dans la vidéo directement. Voilà. Donc quoi, ouais, ça c'est ce qui se passe, c'est que on peut créer différents éléments, donc comme le surin. Là, je peux en recréer un autre. Et comme ils l'ont dit, ça sert à attaquer facilement par surprise, enfin plus rapidement. Par contre, moi, je ne l'utilise pas. Je vous conseille pas de l'utiliser. Un petit peu plus costaud, on va dire, plus résistant, et surtout pour ouvrir certaines portes. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une dans la zone, il me semble que, parce que je l'avais pas trouvé la première fois, mais il me semble qu'il y ait une porte dans la zone à ouvrir avec un surin. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc je crois que là, c'est par là qu'on est arrivé, donc on va essayer de regarder si une porte à ouvrir. Si vous voyez une porte que je n'ai pas encore ouverte, dites-le moi, ça pourrait m'intéresser. Ça, je vais regarder, je sais pas exactement où c'est. Je l'ai jamais trouvé, en fait, parce que je l'ai pas cherché. Je savais pas du tout qu'il y avait des portes à surin quand j'avais fait. Surtout quand je regardais un petit peu certaines solutions pour voir diverses choses. Que j'ai vu qu'il y a des portes à ouvrir. Bon, on va aller en haut. Je pense que c'est vers le haut, parce que là, elle me demande d'ouvrir en bas. Donc, on va regarder si elle n'est pas très loin. Donc là, ouais, c'est là où j'ai eu ça. Ok, d'accord. Non, bah, je pense qu'on va continuer parce que là, il n'y a pas de porte. Non, je pense que ça va être trop de là. Voilà. Et je préfère vérifier parce que moi, j'adore. À force de jouer à des RPG, bah, ça s'en ressent ici. Je fouille à mort. Je trouve peut-être pas toujours tout, mais j'aime bien fouiller. Donc il y a beaucoup de... Merde, il faut lui maintenir. Il y a beaucoup de QTE dans le jeu, hein, comme vous pouvez le constater, mais ça n'en... Ce n'est pas dérangeant, il y a beaucoup de gameplay quand même pur, sans forcément de QTE. Donc ça c'est très appréciable quand même. Allez, finissons ça.
Voilà, donc là il y a pas mal d'hommes. Ok, donc là il faut choisir un peu par où on passe. Donc où est-ce qu'ils sont le moins nombreux? Je passe par là. Là, il y en a qu'un. Donc je peux me le faire. Ah, il y a encore un sur un. Donc si nous en fait 3, on peut en avoir que 3 max. Bon, coucou toi. Je vais te défoncer. Enfin, t'étrangler. Ah. Ah, il y a eu le petit bruit, ça allait dire que j'étais en train de me faire gauler. Mais je ne me suis pas fait gauler. Là on a une brique, ça sert un peu comme les bouteilles, sauf qu'on peut l'utiliser directement sur les gens et ça va bien les assommer. Et après on peut leur foncer dessus, ça ne pose pas de problème, ils sont étourdis. Et là il y a une arme au corps à corps. Et ça, en fait, comme vous voyez, il y a des petites barres en dessous, ça veut dire qu'en fait elle est limitée, plus on l'utilisera, plus elle s'usera. Okay. Le petit son qu'on entend, c'est quand on est en train de se faire gauler. Hein. C'est le moment de réaction du mec. Jusqu'à ce qu'il nous détecte. Donc ça fait. En tout, ça va faire peut-être. 4 ans, on va dire. 3-4 ans. Mais sur ma chaîne actuelle, ça fait un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Ah merde, j'ai pas réussi à le prendre par surprise. J'ai essayé, j'ai appuyé sur triangle, mais ça n'a pas marché. Attends, ils sont où? Ils sont... Bon, c'était pas de la destruction pure, mais je suis pas forcément fort en infiltration. Mais je m'en sors plutôt bien. Ouais, donc, voilà. Là, ils sont où? Ah, il y en a un là. Je vais quand même récupérer l'arme. Parce que la nôtre, elle est un petit peu endommagée. Ah, bien joué, Tess. Oh putain, ils sont beaucoup. Ah ouais. Non, je suis pas mort. Ah, bien visé, je m'en sors, mais au début, j'avais du mal à viser. Ah, est-ce que... Non, il est pas mort. Des fois, je crois qu'ils sont morts, mais non. C'est pour ça que c'est bien l'option de... L'option de le mode écoute. Voilà, ça, c'était bien joué. Bah, ils sont quand même résistants, hein. C'est un petit peu des balles gâchées, mais bon. Merde. Ah zut. Ah là. Bon, c'était un petit peu de la merde là. Bon, il faut bien un petit peu de fail, même si pour l'instant ça va. Je suis pas mort. Mais c'est vrai que j'ai gâché un peu des munitions. Ah, je crois que la porte là, c'est la porte que je cherchais. Ah non, c'est pas la porte. Non, c'est pas la porte, c'est de là où je veux aller. Non, c'est les portes à Surin, c'est des portes, c'est pas du tout sur le chemin du scénario principal. Enfin, on va dire, c'est. Voilà, il faut parfois un petit peu aller. Pas forcément là où on doit aller. Donc voilà, c'est reparti là, je ne sais pas du tout ce qui se passe, pourquoi il fait ça. Enfin, que c'est un des trucs à régler. La qualité, ça a l'air d'être bon. Enfin, je regarderai un peu plus. Il faudra que je trouve un peu le bug. Ce qui est ce problème, parce que je sais pas, ça a pas l'air de merder de mon côté, mais d'un coup, ça se coupe en fait. C'est pas plus. Il faudra que je vois. Mais en tout cas, je suis isolé. On va continuer un tout petit peu. Et après on s'arrêtera là. C'est bon, il est déjà quasiment 23h. Tout ce comme j'avais dit.
Mais je suis désolé vraiment de ces problèmes qui sont un petit peu avec son chiant, quoi, on va dire. Hein. On va pas utiliser d'autres mots. Donc je cherchais pour la porte là qu'on doit trouver. La porte à ouvrir avec un surin. Alors je sais pas si c'est la porte qu'on avait vue tout à l'heure ou pas. Alors, regardez, ouais, c'est quand même magnifique, hein, cette vue. Bon, si je la trouve pas, bien sûr, on va pas mettre 15 ans, mais c'est juste pour voir un peu les choses que j'ai loupées. C'est la première fois que j'ai fait le jeu. Pour l'instant, je ne vois pas du tout d'autres portes que celles que celles qu'on doit aller. Donc je pense que... Ouais, non. Je pense, ouais, on va continuer. Hein. Ça sert à rien d'être en train de tourner comme des couillons pendant 15 ans. Je fouille un petit peu sur les côtés. Non, je vois pas du tout d'autres portes. Oh, il me semble qu'il y avait une porte ici. Attends, je vais quand même regarder au cas où. On sait jamais. Autant profiter que je puisse aller sur le PC. Je vais juste regarder où elle est, cette porte. Juste par curiosité, parce que si j'ai loupé ou pas. Ah, porte à surin. Il y en a 13 en jeu, j'ai ouvert la plupart, mais c'est vrai que certaines j'ai loupé, parce que je ne savais pas qu'il y avait des portes comme ça. Alors j'aimerais prendre la porte, ok. Il me semblait qu'il y en avait une là. Donc désolé, il n'y en a pas du tout. Je pensais que c'était ce passage-là. On va continuer. Voilà, on va continuer. Donc la porte, elle est où? C'est. J'y ai cru, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, on a le surin là, donc on va avoir une porte à surin. Non, c'est pas du tout ça en fait. Reculez, bordel. On veut juste parler, Robert. On a rien du tout à se dire, putain. Baisse ton arme. Allez vous faire foutre. Va. Robert. Joël, par ici. T'inquiète, on va le rattraper ce Robert. Allez, viens là, mon petit gars. Ah, je vais t'attraper, mon gars. On a failli l'avoir. Oui, ça m'était déjà arrivé, c'est pour ça que j'avais arrêté un moment, mais c'est vrai que c'était sur YouTube. Là, c'est sur un autre site, sur Twitch. J'avais sa première fois, donc j'ai pas encore toute ma communauté de... dessus. Ah merde, Robert s'est échappé. Ah, désolé. Merde. Faut pas que je fouille, justement. Pas que je fouille. Je suis en train de fouiller, mais non. On a failli l'avoir. Merde, c'est par là. Salut, Robert. Tess, Joël. Sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Oui, bien sûr. C'est compliqué. D'accord? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Je dois... Ah! Merde! Stop! Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi?
Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant. Donc voilà, on a buté Robert. Je regarde s'il n'y a pas des trucs. Tiens, ça commence bien. Ah, plein de matériaux. Ah, ça c'est bien. Donc là, les petits rouages pour améliorer les armes. Mais il faut un établi pour cela. Donc il faut en accumuler. D'ailleurs, dans les qui servent à... À pouvoir améliorer tout notre équipement. Enfin, nos armes en tout cas. Attends, je regarde s'il n'y a pas... De toute façon, on va pas tarder à s'arrêter. Hein. Encore quelques minutes et ce sera bon, quoi. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez. Donc elle a l'air d'aller bien quand même pour alors qu'elle est blessée. Hein. Elle avance quand même assez, assez bien. Il n'y a pas assez de problèmes. Elle, voilà. Pourtant, elle tient bien le ventre, mais ça a l'air d'aller quand même. Ah oui, là, on va avoir un peu un panorama. Regardez-moi ça. Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Tiens, regardez-moi ça. Ça, c'est de l'ambiance. Hein. On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Ah bah tu as encore plein de trucs à récupérer. Donc on va scrire peut-être... ouais, non, pour l'instant il n'y a que le surin à confectionner parce qu'on débloque ça au fur et à mesure. On peut que faire des... surins. Mais ça je les garde quand même, les surins. Parce que ça sert... C'est un peu dangereux, c'est ce qui sert le plus en fait, j'ai envie de dire. C'est un des trucs qui sert vraiment énormément. Bon, encore une fois, je vais dans la direction opposée parce que moi, j'aime bien fouiller. Hein, ce qui peut se trouver, mais il y a rien du tout. Mais voilà, on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais. C'est bon. En même temps, pour un peu redécouvrir le jeu, au cas où j'ai loupé des trucs. Stop. Des soldats. C'est la sortie. La porte s'ouvre.
On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. Donc voilà. On doit atteindre cette porte. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on a eu que 3 zombies hein, depuis le début du jeu. Alors que ça fait un peu plus d'une heure. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que des zombies, ça c'est fortement intéressant. C'est pas juste un jeu. Ah bah tiens, il y a des zombies, on va mettre une armée de zombies à buter avec avec des gros guns. Non, non, c'est des armes assez. Pas forcément des méga grosses armes, c'est des armes assez. Pas banales, mais c'est pas, je sais pas, des railguns ou genre de tout ce que vous pouvez trouver dans. Dans MGS4 par exemple, il n'y a rien de tout ça. Enfin, c'est juste des armes pas extraordinaires, quoi. Des armes assez. Voilà. Ben, des armes quoi, qui servent à se défendre, on va dire. Je prends celui-là. Faites le tour pour l'autre. Mais non, mais après, bon, il y a quand même des bonnes armes hein, dans le jeu. Surtout les dernières. Ah, il y a une arme, elle est cheatée. Hein. T'inquiète. On va fouiller, hein, comme d'habitude. Voilà. On avait dit pas de bruit. Alors pourquoi tu cours vers moi? Alors ils sont combien? Il y en a un là qui est en bonne position. Les autres ils sont où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'en fiche. Je vais le tuer. Non, bien sûr, on peut planquer les corps pour. Éviter que les gars les trouvent parce que bon bien sûr sinon il va être un petit peu alerté, ils vont dire faites attention voilà. Mais c'est vrai qu'on a pas beaucoup de temps pour faire bouger le corps, c'est au moment où on l'attrape il faut reculer un petit peu. Moi je fais jamais, moi je fonce un petit peu dans le tas dans ces passages là en général. Mais c'est vrai que bon comme je le dis il y a plein de façons de jouer, ça c'est intéressant. On va l'attraper lui parce qu'il est... il y en a un qui est en train de se de partir. Ah. Ah par contre, ah il y en avait là. Ok, il y en avait là, j'avais pas vu. J'avais pas du tout vu. On va essayer de se soigner. Voilà, prends ça. Oula, ouais. Il m'a touché. On va essayer de... Ouais, j'ai pas beaucoup de munitions, mais on va essayer de... On va essayer de l'attraper. Ouais. J'avais pas vu le gaffe. C'est pour ça, faire attention, en fait. Parce que je l'avais pas du tout vu. Ouais, j'ai pas beaucoup de munitions. Voilà. Bon, on a utilisé un peu des balles, mais... Ah, il nous ordonne. Donc tant mieux. Ah, 6, bah merci. On est plus très loin. Ouais, bon, vous voyez que bon, je suis pas forcément un très bon joueur, mais bon. Au moins, j'ai fini le jeu en mode normal, donc je suis quand même assez fier de moi, surtout que c'est pas mon style de jeu, mais. Mais je sais pas, j'aime bien le jeu, je trouve qu'il fait de. Je trouve qu'il y a de bons éléments, le gameplay il est quand même bon, je trouve intéressant. Et il y a beaucoup de possibilités hein, qui bien sûr se débloquent au fur et à mesure. Mais là au moins on a le cœur du gameplay, mais c'est après il y a des armes, genre le truc qui se débloque vraiment au fur et à mesure, ce qui fait qu'on a un bel arsenal quand même quand on arrive à la fin du jeu. Ok, à bientôt Clou, de toute façon on va bientôt s'arrêter. Je pense que ouais, je vais traverser cette porte et on va s'arrêter. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On n'est plus très loin. Ok, bon, moi je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier live. Donc peut-être il y en aura un autre.
Peut-être pas, je ne sais pas. Dire que ce soit en commentaire sur YouTube ou ici, n'hésitez pas. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour peut-être d'autres lives. En tout cas, je verrai, je vais essayer déjà de voir pour le problème. J'essaierai de un petit peu plus faire de pion, on va dire, pour les lives futurs. Mais surtout régler le problème là, c'est je sais pas pourquoi ça a merdé plusieurs fois. C'est dommage, bon, au moins on a pu faire une grosse partie, donc c'est déjà ça. Donc voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ah, arrêter la diffusion, voilà.